réalité, adoration, c'est résultat création parce que bon Dieu t'a créé nous pour nous adorer. Créateur avant petit homme. Amen, amen, amen. Alors, il y a une chose qui attire l'attention, mes serviteurs, maintenant dans ta définition, c'est que, et comme si on va rejoindre nous dans l'explication que j'ai hier, je crois avant-hier, de préférence par rapport à maintenant adoration, d'abord comme un mode de vie ou bien individuel. Et adoration comme une expression, parce que maintenant, la définition qu'on a, il dit que c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Et si on regarde dans Matthieu, chapitre 15, verset 8, l'Ibral dit ça. L'Ibral dit que peuple ça pas adoré, mais bouche li, dans bouche, mais son cœur. Maintenant, quand on est cœur, on est l'amour. Maintenant, c'est siège même de l'amour. Il est vrai que le parle manifester dehors par des choses. C'est ça qui fait me dire que. Ou pas qu'à venir bailler bon Dieu sur par remel. Ou pas capable. Donc ou vinn offrir so vinn offrir, nous te prend exemple ça, so vinn offrir c'est l'amour qu'il faut offrir. Maintenant pour bien offrir un bagage par un monde parce que serviteur bon Dieu si m'a bon bagage là, raison pour faire bien baoul faut vraiment. Si m'pa remon m'pa bien baoul même. Donc m'pral si m'pral fort cadeau costume, m'pral rentrer dans et closet même pas bon costume. Donc pour mon costume dans son costume qui de valeur faut me remettre. Si me pas remon me ka bon bagaille n'importe comment me ka bon bagaille n'importe qui gens n'importe comment c'est ça qui fait Dieu exige d'abord l'adoration personnelle. Donc l'amour qu'on gagne pour lui parce que bon Dieu pas recevoir n'importe bagaille dans mes monde. Bon Dieu pas recevoir n'importe bagaille dans mes monde. C'est ça qui fait dire d'abord me vlorer même d'abord. Me vlorer même d'abord, ça veut dire pour faire plaisir dans vie ou d'abord. Pour faire plaisir dans la vie. Cela veut dire que tout côté me passé, tout côté me passé, faut yo ouais maintenant, moi protéger comme t'as dit, hein, moi porter la gloire, moi son porteur de gloire. Cela veut dire leur remet bon Dieu et serviteur ou son porteur de gloire. Parce que pas oublier me te dit ça à remarquer. Leur remet bon Dieu, maintenant on fait bon Dieu plaisir dans tout niveau. Premier bagage cœur bon Dieu vient habiter dedans. Et si cœur bon Dieu habite en nous, gloire vient habiter dedans. On te dit ça dernièrement. Et si gloire vient habiter dedans, puissance li obligé autour de vous pour préserver gloire en dedans. C'est ça comme te dit, yon moun capable d'adorer bon Dieu tout bon vrai, j'ai pas ka manger. Pas impossible. Ou pas capable d'adorer tout bon vrai pour sortir honte. C'est pas vrai. Ou pas ka son vrai adorateur pour sortir honte. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas sans notice, je vais le saluer. Bon. Et adorer bon Dieu, moi quoi c'est un objectif principal que bon Dieu t'a créé l'homme. Et remarquez, Dieu en tant que créateur, il crée les anges, et les anges ont une seule mission. Et mission, les anges, jour et nuit, ils doivent adorer bon Dieu. Et les anges, ils ont été, et la Bible dit, les anges ont été dans le ciel. Pour adorer bon Dieu. Alors que bon Dieu lui-même lui placer l'homme sur la terre pour capable adorer. Yon nan bagay qui gagne, et tant que ces deux serviteurs dit, ou adorer moun ko remè. Si ou pas adorer, si ou pas remè ou moun ou pas ka adorer. Il est vrai de nos jours, et il est vrai de nos jours, et ça ka pè actualité a, et nan monde là. C'est ça nous te prêcher, c'est fake là. Et mes bien-aimés, nous besoin connait que bon Dieu connaît que tout le monde. C'est pas voler pompé qui veut dire adorer bon Dieu. Et d'abord pour bon Dieu accepter adoration que wa bali premier bagage bon Dieu besoin cœur. Et si bon Dieu pas joindre cœur, tout ça offrir pour lui-même ou offrir mais pas recevoir. Et c'est ça qui est réellement important que mes bien-aimés, tout vrai chrétien doit avoir ça comme une forme de vie. Et forme de vie, ce n'est pas seulement l'offre de l'église pour adorer bon Dieu. Parce que là ou pas adorer bon Dieu, pour moi-même, ou quitter bon Dieu grand goût. Pour moi-même, ou faire bon Dieu souffrir. Et chrétien, même gens, dans l'ancien sacerdoce là, sacrificateur a te gagné jour et nuit faut te gagné sacrifice sous l'autel là pour abouler tout temps. Et bien dans le nouveau sacerdoce et Dieu mandé à ce que chrétien authentique là doit qu'on louange continue. Et louange continue, c'est pas seulement l'homme dimanche matin
comme de nos jours, en pile chrétien, c'est ça seulement, il y a réservé dimanche matin. Mais chrétien pas là, il n'y a pas un jour, il n'y a pas l'heure. Mais vie chrétien, son vie tout le temps de louange et l'adoration. Et ceci louange et ceci adoration, pas seulement les wap parler. Ou quand nous en position, pas même parler, mais cœur à parler devant le trône de Dieu. Et c'est ça que nous pensons que, et semaine ça, ou besoin bien profiter et ou après ou bagay. Ou pas jamais capable mon chrétien diam, ou pas jamais capable mon chrétien fort, ou pas jamais capable faire une bonne prière tout bon pour qui gen nom en dedans si ou pas un adorateur. Moi même c'est expérience pas. Kou m besoin bien la prière ou ka wè m commencer à balancer et puis m'exploser. Et c'est ça que chrétien hein, ou besoin adorer bon Dieu et leur adorer bon Dieu à tout cœur ou faire que bon Dieu content. Donc oui, donc raison parce que notre raison pour adorer. Alors Frère Petit ou dit donc normalement adorateur il doit un porteur de gloire. C'est ça que fait l'on porteur de gloire, il vient ou vient boire avec la puissance de Dieu. Et automatiquement ou son adorateur qui justement porter gloire by bon Dieu, cap by bon Dieu gloire, ou pour le rencontrer avec puissance mon Dieu qui pour le faire démonstration. Donc on y a démonstration de puissance là, c'est lui qui pour le créer un pacte miracle ou avin possible. Donc pour quelle raison? Parce que raison adoration, hein, c'est pour qu'a obéi volonté papa. Donc c'est obéi avec volonté papa qui est dans le ciel là. Donc parce que la Bible dit c'est mon comme ça, bon Dieu papa chercher. Donc adorateur, mon bon Dieu a cherché c'est adorateur. Donc l'homme dit adorateur, pas dire mon qui dirige service. Donc son adorateur, ça bon Dieu a cherché. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 4 verset 23, il dit mais l'heure vient. Jésus-Christ a parlé avec femme samaritaine. Il dit et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est adorer. Donc c'est ça c'est ça bon Dieu cherche adorateur. Donc ça depuis mon nan gon cœur pour l'adorer bon Dieu chita là parce que la tande ça. Donc l'objectif principal l'église adorer le Père. Donc ça c'est priorité. Priorité c'est adorer. Donc plus gros devoir ou bien plus gros priorité que l'église a gagné, c'est adorer créateur pour tout temps et pour tout temps. Ça c'est plus gros priorité l'église. Dans Matthieu chapitre chapitre 4, donc verset 10b, Jésus-Christ parle, dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est l'objectif principal de l'église là. Bulle, c'est pas chanter dans le choral, chanter dans le groupe, jouer musique, etc. Prêcher. Donc objectif principal de l'église là, c'est adorer le Père. Donc, c'est adorer le Seigneur. Donc priorité de l'église là. Adorer bon Dieu, bien aimé, parce que c'est bon Dieu qui doit joindre adoration. Ça veut dire qui ça? Donc, priorité qu'on gagne, c'est adorer Dieu. Première priorité qu'on gagne. Premier bagage qu'on fait, c'est adorer bon Dieu. Après ça, n'importe ce qu'on prend avant pour faire, c'est idolâtrie. Donc, si par exemple, bon Dieu n'est pas en premier pour adorer dans tout bagage, n'importe ça qu'on prend en premier dans la vie, c'est idolâtrie. Donc, par conséquent, c'est très important pour nous adorer le Seigneur. Bien aimé, parce que si vous pas adorer le Seigneur, on va pas adorer quand même au monde ou bien au bagage. Donc, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, moi note que verset ça important pour moi en pile. Note le dans un livre 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Il dit là, moi remets l'île en créole parce que je remets les textes en pile. Il dit que 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit nous-mêmes. Écoutez ça. Pas bien que Israël perdit l'opportunité de gagner. Donc on y a Dieu te font préparation depuis avant la fondation du monde. Il te font préparation pour nous, pour l'église là, pour une possibilité pour l'annoncer royaume non. Il dit que nous-mêmes nous sommes race bon Dieu choisi. Attendez bien. Nous ça nous accepter Christ comme sauveur et maître qui s'adorateur. Donc Jean a parlé
avec sa célèbre, les généraux. Je parlé avec les chrétiens, les juifs dispersés, pour la dire les chrétiens. Il dit, nous-mêmes, nous sommes race qu'on Dieu choisi. Yon bonne prête qui a servi. Il dit que yon nation qui a vivre à pas. Écoutez, ça avec nous, chrétiens. Yon nation qui a vivre à pas pour bon Dieu. Yon peuple li acheté. Li fait tout ça pour nous te ka. Fait tout le monde connaît. Belle bagaille, bon Dieu te fait yo. Bon Dieu qui rele nous sauti dans le fait noir. C'est comme si nous sommes peuple spécial, frère petit homme, pour nous adorer, bon Dieu. Amen, amen, amen. Nous peuple spécial. C'est ça que le serviteur a noté, côté monoton bagaille qui est extrêmement important dans ce qu'on dit. Hein. C'est côté dit, lorsque nous venons dans l'assemblée, objectif là, c'est bon Dieu, d'où est-ce que l'adoration. Je vais dire pour l'acte par la tige, déranger quelques monde. Mais m'a dit pour la gloire de Dieu. Ou qu'on est serviteur son erreur grave nous fait lorsque nos services d'adoration pour nous dire nous dédier tel cantique à tel monde. Son erreur grave serviteur. Amen. Parce que écoutez bien l'église, écoutez bien. Lorsqu'on dit à fond service d'adoration qui dans la volonté de Dieu, ou on dit qui dans la volonté de Dieu. Cela veut dire under chagrin cantique résider la gloire de Dieu. Parce que chaque cantique que vous chantez, c'est pour la gloire de Dieu, pas que l'autre objectif. Amen. Donc cela veut dire, lorsqu'on prend une grande cantique en deux services d'adoration, hein, ou dédié à un monde, ça veut dire qu'on prend la gloire de Dieu qui réside en dedans, cantique ça, ou dédié à un monde. Or, la Bible dit, la parole de Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à personne. Aux hommes. Cela veut dire parfois, nous qu'on partage la gloire de Dieu, et son bagage qui est terrible. Donc on partage la gloire de Dieu sans le savoir. Donc il n'est pas bon pour nous servir cette adoration pour dire jeudi à ces fêtes tel, jeudi à ces fêtes madame tel, pendant nous diriger là, nous dédier cantique ça à ce tel. Cela veut dire nous prenons gloire bon Dieu, nous dédier la commune. Parce que lorsque nous service d'adoration, Jacques le pasteur t'a dit là, c'est tout soit fait net, l'objectif c'est pour Dieu. Pas gagner tout partage. Ça veut dire, soube se partageons l'autre bagarre comme monde, dégageons, font l'autre service, allons l'autre côté, font l'autre service, partagez la velle. Mais quand il s'agit sur un service de l'adoration, donc il n'y a pas qu'à partager à personne monde. Et bon Dieu, c'est mon Dieu jaloux. Regardez bien. C'est ça que je dis toujours. Si vous regardez tout à travers l'Ancien Testament, lorsque bon Dieu fait appel avec Aaron, fils d'Aaron, etc., les sacrificateurs. C'est Dieu, oui, qui t'a toujours demandé, monsieur, yo, mais qui type de bagaille pour bail. Vous savez là? Cela veut dire, bon Dieu, sort à l'bali, c'est lui-même par rapport à la vie ou à mener, lui communique, lui dit, mais ça pour offrir. Mais ça pour offrir. Et qu'on a sort à l'offrir, bah, bon Dieu, que bon Dieu mande pour offrir là, ou pas qu'à offrir là en l'autre monde. Ou pas capable d'offrir là en l'autre monde. De pour offrir là à l'autre monde, il vient idolâtrie de pour offrir là à l'autre monde ou partager la gloire de Dieu. Et partager la gloire de Dieu, mais ça terrible là, bon le bon Dieu te bonne révélation ça. Il dit ouais, tout le monde qui a partagé gloire, qui te a partagé gloire. Bon le qui a privé, la vie prend gloire et la prend gloire la terrible monde ça. Et ça que pas faire erreur parce que le bon Dieu qui t'ont qui dans l'ignorance, lui qui t'ont tendé, qui t'ont tendé pas de rien, mais bon le bon Dieu a descend. Là dit bon non, maintenant aujourd'hui c'est mon temps. Mon temps pour me recevoir gloire, pour me prendre gloire qui était dehors. Et là, je prends gloire qui était dehors, je vais mourir, je vais verpéter sur yo. Parce que ça vit là, nous vivons dans une dimension. Je crois que c'était waouh, waouh. Donc, moi, c'est une Bible. Waouh. Comment? Non, il n'y a pas de Bible. C'était. M'oublie, non, monsieur. Pas de monsieur. Non, pas de Bible. C'est là, côté monsieur Chita, dans Acte chapitre 9, je crois. Monsieur Chita. Et sous chaise li. Et puis pendant que M. Fin chita sous chaise li, guerre fin mené, M. Fin pronte. Et puis yodou M. Campé, et puis peuple a gardé M. Li dit, waouh, ça c'est pour vous, l'homme c'est voir bon Dieu. Sur le champ, yodou gonzos qui détaché dans le trône. Ou t'en qui côté se détaché? Dans le trône. Cela veut dire, si Zange la ka détaché dans le trône, du moment peuple a gardé, yon green bouton pété dans tête monsieur, yodou M. tombe rongé de verre. Mais de ce qui passe, l'éternel descend. Les vins prennent gloire. Et l'éternel vient prendre gloire ou ronger de verre. Ronger de verre. Cela veut dire que monsieur mourit. Et texte là dit ça. Il dit raison fait monsieur mourit parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu.
parce qu'elle n'avait pas donné gloire à Dieu. C'est ça que fait. Lorsqu'on est des vrais adorateurs, il faut veiller, mes bien-aimés. Il faut veiller en pile. En dans adoration, nous, yo, pour ne pas prendre gloire à bon Dieu. Parce que depuis nous prenons gloire à bon Dieu, les bon Dieu viennent prendre gloire, c'est bagaille terrible. Bagaille terrible, c'est vite. Bagaille terrible. Parce... C'est très bien ça. Et il y a un bagaille que nous sommes capables, nous carrément, qui a soit mettre dans l'esprit, nous, mes bien-aimés. Et. Pas oublier dans l'Ancien Testament, moun qui te gen accès et dans le sacerdoce, ce sont les sacrificateurs, les lévites. Yo te gen seulement pour yo entrer et yo te gen seulement pour yo te sorti dans famille Aaron. Ce qui signifie et mission sacrificateur yo, c'était pour offrir sacrifice pour tête et pour peuple. Nous suivre là. Mission sacrificateur dans l'Ancien Testament, premièrement pour tes sacrificateurs, pour tes offrir sacrifice, ou tes besoin sortir dans la famille Aaron. Si ou pas sortir dans la famille Aaron, ou pas gain accès personnellement pour offrir sacrifice. Pour offrir sacrifice. Et non seulement pour offrir sacrifice, le on regarde à travers de la Bible dans le tabernacle, peuple a gen un côté li pa gen accès pour te entrer, te obligé rester dans le parvis. Et logiquement, mes bien-aimés, yon moun ki rete dehors a kap suivre ou moun ki en dedans kap suivre. Qui ça nous ka remarqué? Qui ça nous remarqué? Ou moun ki rete dehors ka ki tande sa ka fait avec ou moun kan dedans. Atmosphère ou pas même. Atmosphère ou pas même. Gen des bagay moun ki en dedans a vivre, moun de yo a tande men pa vivre li. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est comme ça. Mais maintenant, nous sommes dans le nouveau sacerdoce par Jésus-Christ. La Bible dit pour dans l'Ancien Testament pour tes sacrificateurs ou tes besoin sortir dans la famille d'Aaron. Alors que dans le nouveau et sacerdoce, la Bible dit lui fait de chacun de nous un royaume de sacrificateurs. Alors que, pas oublier, la Bible dit rôle sacrificateur, c'est offrir sacrifice pour tête et offrir pour le peuple. Alors que dans le Nouveau Testament, à soi-même, fait chaque monde là qui l'a, pour accepter Christ, ou son sacrificateur. Et si ou c'est un sacrificateur, l'on là ou pas vin bay louange pour moun ou pas adorer pour mari ou pas adorer pour petit ou pas adorer pour zami en tant que sacrificateur chaque moun personnel ou doit gen accès pour porter propre sacrifice pour. Amen. Dame nous comprendre ça que nous là. Chaque moun gen accès. Ce qui signifie là ou vini là, c'est pas dirigeant pour qu'il faut adorer bon Dieu. Ce n'est pas pasteur pour qu'il faut adorer bon Dieu. Parce que nous avons une tendance que nous avons depuis que nous venons de l'église chercher. Mais à soi, il faut connaître. Lorsque nous de la présence de Dieu, c'est poté au poté. Et puis pendant le poté, le bon Dieu a vu une rencontre avant la poté ça pour le poté. Par contre, si nous comprenons ça, nous avons même bien aimé pour nous changer de comportement et d'attitude. De pour venir de la présence de Dieu ou venir poté en bas. Ou gen pour porter pau et bon Dieu gen pour porter pau. Et c'est ça que à soi que chaque monde qui là ou son sacrificateur. En tant que sacrificateur, ou doit toujours à offrir sacrifice. Et la Bible dit dans ancien sacerdoce là, ce sont des animaux yo te qu'on offrit, sept types d'animaux. Yo te gon sel de dominateur commun sans défaut. Et bien dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Sacerdoce, nous pas gen pour nous bailler ni cochon ni cabri, nous pas gen ni pour nous bailler ni bœuf ni toutrel ni l'autre bagaille, nous gen seulement pour nous porter adoration non bail bon Dieu. Et adoration n'a porter a faut qu'il soit une adoration tout qui sans défaut. Est-ce que nous là avec moi? Qui ça a demandé sacrificateur bête qui a offert à Pocli sans défaut? Eh bien, où capoté sacrifice pour sacrifice d'adoration, bah bon Dieu, faut qu'il capable comment? Sans défaut. Sans défaut.
il besoin sans défaut. Sinon, sinon qui ça va arriver, même gens avec Amos, peuple a chanté, il porte sacrifice gros cantique gros bagaille, bon Dieu dit disparaître nous devant m'pa ka prendre sans bagaille ça. Pour qui raison que on pas ka prendre sans bagaille. Il y a deux raisons qui fait que bon Dieu relé pour retirer bagaille ça devant lui pas ka prendre sans cantique ça. Premièrement, il y a un problème de l'injustice, il y a un problème avec l'autre. Et à soi que mes bien-aimés, dans l'offrande, dans le sacrifice, dans l'adoration, dans le porté, bye bon Dieu, il y a deux bagailles qui sont importantes pour nous résoudre. Premièrement, c'est résoudre le problème nous avec bon Dieu et résoudre le problème nous avec le prochain. Et sinon, au café 70 ans, on n'a pas adoré 70 ans, on a fait toute bagaille, bon Dieu dit m'a de chambre. Donc oui, pasteur Notis, pense pour quelques questions, on va faire terminer après mon cabane nous terminer, on va se mettre à recevoir question yo. Et dans Genèse, Adam t'est chuté. Adam t'est chuté pour qui ça? Parce qu'Adam pas adoré bon Dieu. Et c'est différent dans l'Apocalypse. Il différent dans l'Apocalypse. Ou après dans l'Apocalypse toute histoire chita sous dans un service d'adoration pour tout temps et pour tout temps. Ou après service dans l'Apocalypse, toute histoire, chita son service d'adoration pour tout temps et pour tout temps. Donc, et dans la présence du Seigneur. Jésus te fait adoration en priorité lui-même. Il te fait adoration en priorité. Et c'est ça nous t'est manqué. C'est ça nous t'est manqué nous-mêmes. C'est un trésor que les hommes t'est manqué. Et Dieu voyait Jésus-Christ venir avec trésor. Il voulait Jésus-Christ venir avec trésor pour enseigner nous adoration. Bon Dieu te voit et Jésus-Christ vient avec lui. Dans Matthieu chapitre 22, Matthieu 22 à partir du verset 26, donc on parle côté Jésus-Christ pour commencer et enseigner. Jésus parle dit, où doit remettre bon Dieu à tout cœur, à tout âme, à tout l'esprit. Comme si tout le monde qui aime mon Dieu à tout cœur, à tout nomni, à tout l'esprit, divine paraît tellement normal pour l'adorer bon Dieu. Parce qu'il remet à tout quel, à tout nomni et à tout l'esprit. Donc, bien aimé, à ces premiers et plus grands commandements. Premier et plus grand commandement. Adoration, c'est premier et plus grand commandement dans la nouvelle alliance. Non? Et il dit que c'est premier commandement dans l'Ancien Testament. Donc, c'est remet bon Dieu. À tout cœur, à tout nom et à toute pensée, vous faites petit temps. Amen. C'est ça que je me dis, c'est une mode de vie, serviteur. C'est une mode de vie. Cela veut dire son bagage chaque jour, serviteur. Remets bon Dieu, c'est chaque jour. C'est comme si on t'a dit, j'aime t'a dit dernièrement, remets bon Dieu, c'est comme si, là, dit à tout cœur, à tout nom et à tout l'esprit, c'est comme si on t'a dit, lui toucher l'être. Ça veut dire, chaque apôtre Paul définit. C'est comme si il touchait corps, âme et l'esprit. C'est comme si il t'a dit que toute fonction yo t'a fait dans l'être doit faire non façon pour bonne gloire. Et ça lié serviteur. Et ça quoi apôtre Paul beaucoup de le parler, il dit même manger ou manger. Faut manger ou manger à glorifier bon Dieu. Parce que il dit comme ça que tout ce qu'on fait net, soit manger, soit boire. Maintenant là, il fait d'une façon personnelle. Il montre, il spécifie. Maintenant qu'on a dit que on fait toute l'autre bagaille, il dit fait pour nos bon Dieu qu'a glorifié. Cela veut dire mes bien-aimés, nous t'ai dit ça dernièrement, c'est parce que nous t'ai dit adoration elle prend deux formes. Il prend une forme formelle, il prend un aspect formel, il prend un aspect on dit que informel. Ça veut dire un aspect réel ou un aspect irréel ou apparent. Maintenant quand l'amour pas pour bon Dieu, ou content ou à chanter, ou bien à poser des expressions, maintenant ça, il est apparent. Parce que bon Dieu pas pour recevoir. Parce que lorsque il dit dans Matthieu chapitre, nous sommes dit ça dans Matthieu chapitre 17, lorsque il dit, peuple ça a pas adoré, mais il a pas adoré avec bouche, mais il peut le préciser, il peut le dire, son cœur est éloigné de moi. Cela veut dire, apparemment, peuple ça a pas adoré. Apparemment, peuple ça a pas adoré. Cela veut dire, mais en réalité, adoration, ça n'a pas touché. Parce que serviteur, écoutez bien. Lorsque me dit, ou d'un porteur de la gloire de Dieu pour adorer mon Dieu bien.
Où est, où se dit ça tout à l'heure? L'on vrai adorateur a pas adoré serviteur. L'on vrai adorateur a pas adoré. C'est comme si m'ta dou non imagination, m'pa dire Bible dit ça non, dans imagination, m'konn a pu imaginer la pas adoré serviteur. C'est comme si m'ta dou Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en mouvement là. Et puis des anges qui pas ouais même Jacques bon Dieu. Et puis là regarder chez bon Dieu en mouvement pour y a dit qu'est-ce qui passait monsieur là comme ça. Non, vous comprenez, ça y a une imagination. Il y a dit, mais, il y a parfois, il y a prosterné, il y a baissé, il y a fait de bagaille. Il n'y a pas de mouvement, ça y a l'air. C'est ça que Jésus-Christ, quand il dit, sous paix témoigner, non, c'est toujours dans le même contexte d'adoration. Sous paix témoigner, non, dans l'amour, il y a pour moi, il n'y a pas de témoigner en l'air. C'est ça que fait, il y a des séries de nègres qui portent des noms spirituels dans le trône. Il n'y a pas de noms sur la terre. Parce qu'il dit ça dans l'Apocalypse. Quand il dit ça, oui, dans l'Apocalypse. L'idée pour jeune monde ça yo et la parole de Dieu pour parler dans Apocalypse chapitre 11 le verset 8 li pral dit comme ça que côté Jésus-Christ est mort hein côté Jésus-Christ est mort à Jérusalem li dit il pral porter deux noms spirituels li pral porter premier nom il pral reler Égypte deuxièmement il pral reler Sodome maintenant lorsque il dit il porter deux noms spirituels et puis l'arrivé plus bas li pral dit c'est là Jésus est mort or Jésus pas mort en Égypte Jésus-Christ pas mourir à Sodome. Maintenant ici, lorsque il parlait de noms spirituels, il parlait des caractéristiques. Ça veut dire des natures, bagay qui manifestaient dans la vie moun sa à cette époque. Et mais ça de même, lorsque nous-mêmes sur la terre, maintenant nous portons des noms adorateurs, des vrais adorateurs, nous avons des noms de gloire, nous avons l'air. Et l'air cité non nous, c'est pas frère petit homme qui dit non, c'est nom de gloire devant les anges. Alléluia. Ça veut dire qu'on dimension l'on va adorer mon Dieu. Mais bien aimé, nous t'aimons faire expérience ça dans la vie nous. Prends petit temps, mes bien aimé. Bon, ou même qui n'est pas d'accord. Prends 2 mois, 3 mois. Cherchez remet mon Dieu. Fais bon Dieu plaisir, mes bien aimé. Fais bon Dieu plaisir. Et puis pendant fin, fais bon Dieu plaisir. Pendant 2 mois. Et puis pour balancer des cantiques de la présence de Dieu. Pendant balancer des cantiques. En vérité, mes bien aimé. Bien joué capri, c'est comme sous roi dans le trône. Comme souvent dans le trône. Et je me dis ça dernièrement, pasteur. On l'aime lever vers 2-3 heures du matin. On dormit dans le jeu. Mettre la lever pour m'adorer, serviteur. Mettre la lever pour m'adorer. Maintenant, l'aime lever pour m'adorer, je ne suis pas capable. Dormir dans le jeu, je ne suis pas capable. Je commence à balancer des cantiques. Et puis, mettre la voix volonté. 2-3 heures du matin. Serviteur, je commence à balancer un cantique. Serviteur, pendant que je pas adoré, en dans la chambre, dans le salon, je quitte ma demande dans la chambre. Pendant ma pas adoré bon Dieu en dedans serviteur, me senti en dedans plein. C'est comme si me senti kounya pendant ma chanté serviteur, moi entendé, ça m'a donné pas bail dans dormi. Moi entendon chorale serviteur côté me chita. M'entendon chorale qu'a répété avec. Kounya m'ouvri chem pour m'a regarder est-ce que effectivement côté m'a pas adoré est-ce que m'gen moun avec serviteur? Est-ce que m'gen moun avec? Mais tonnerre me dit est-ce que non l'église m'gen? M'gen moun avec. Là me senti les jambes ouvri, moi m'a regarder green vessel, m'a regarder bout de caille, me fermer jambes encore. Là me fermer jambes serviteur, moi t'attend chorale là pour pirette. Là me lever, là me resser ouvri jambes jeudi 6h du matin. Amen. 6h du matin serviteur. À un cantique. Me dit waouh, garde l'expérience. Cela veut dire, serviteur, l'offre adoré comme ça, serviteur. L'offre adoré comme ça. Ou fin bail bon Dieu, vie ou fin adoré comme ça. Dans demain, si je veux leur lever, serviteur, en vérité. Pas aucun démon dans mon invisible qui a dévié vie ou. Aïe, 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 l'église pas comment ça me dit là. Pas aucun démon dans mon invisible qui a dévié vie ou. Pas aucun plein démon qui a fait pour qu'a fin avant. Pas aucun démon qui a fin avant. Peut-être qui ça. Parce que bon Dieu dans vous. Nous dit ça déjà. Faut noter ça, l'église. Vrai adorateur, depuis je ne dis ça dernièrement. Lorsqu'on vrai adorateur, ou touche les 3 dimensions dans Dieu. 3 dimensions. Et chaque dimension, ça, regardez dans la Bible. Pour elle. Là, on répète, on va répéter pour rien. Là, on dit le regard de Dieu. Là, on parle de regard de Dieu, on va dire pour rien. Le regard de Dieu. Parce que lorsque le regard de Dieu tombe au côté, il a tombé de deux façons. Il a tombé pour jugement, il a tombé pour bénédiction. Il a tombé pour bénédiction. Et là, elle tombe pour bénédiction, c'est en vertu de vie que vous avez mené. Maintenant, le regard de Dieu finit tomber sur vous. Et puis, cœur bon Dieu content. Parce que regarde directement, premier côté là, là, cœur bon Dieu. Et ça que l'on empêche, maintenant, regard bon Dieu tomber sur vous. Premier bagage, il dit, ou dérangez cœur bon Dieu.
et que bon Dieu dérange. Et ça, quand lorsque le regard de Dieu tombe sur vous, il joint nous, il range que bon Dieu. Et là, il range que bon Dieu. Pensez bon Dieu à faire des plans pour vous. Pensez bon Dieu à faire des plans pour vous. C'est ça que lorsque vous êtes adorateur, Gemba Gaï, ou qu'on ne pas même chercher le même, pour bon Dieu, faut plaisir, le baoul. Là, qu'est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Gemba Gaï, c'est le baoul. S'il voit son machine qui a dérangé le cœur, ou qu'on doit être comme ça, on nous mette aux États-Unis, n'importe côté. Il dit, serviteur, je vais une machine là pour me faire cadeau. Parce que bon Dieu va blanc et nous. Bon Dieu va blanc et nous. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Ok. Amen. Crie louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Levez-moi pendant quelques minutes pour adorer mon Dieu. Fais que vous adorez mon Dieu à quelques secondes. Alléluia. Merci. Wow. Si m'adorez, oui, Seigneur, à chaque souffle, moi, m'adorez, oui, Seigneur, c'est promesse à faire dans l'éternité. M'adorez, oui, encore. Dis avec toi, Piro. M'adorez-vous, Seigneur. À chaque souffle, moi. M'adorez-vous, Seigneur. Ces promesses à faire dans l'éternité. M'adorez-vous encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons bon Dieu pour toi, homme de Dieu, qui t'a fait de commentaires et de très belles interventions concernant l'adoration et la louange. Nous entrons dans la phase question parce que l'heure a avancé. Il y a deux questions qui sont bien intéressantes. Et nous demandons pour nous faire un petit genre très court dans la réponse. Parce que nous avons pile question, bien que nous ne pouvons pas prendre toutes. Et nous excusez-nous auprès de l'Assemblée parce que il est presque 9h. Nous demandons anti patience parce que il y a une pile surprise pour c'est pas débat seulement, mais il y a l'autre bagaille toujours. Première question que m'a prémé nous répondre pour l'Assemblée, c'est pour qui ça bon Dieu mandé pour nous adorer alors que bon Dieu pour lui-même, lui c'est la gloire. Qui ça adoration qu'a fait pour bon Dieu alors que bon Dieu déjà a des anges qui adorer. Gloire à Dieu. Alors écoutez bien, pour qui ça bon Dieu mandé nous adorer, pendant ce temps bon Dieu lui-même, il est bon Dieu de gloire. Maintenant, dans toute histoire, bon Dieu lui-même, il a toujours aimé travailler avec l'homme. Ça c'est le premier aspect, il a toujours aimé travailler avec l'homme. Et deuxième aspect, c'est que bon Dieu voulait l'homme adorer pour lui en réponse à Satan. Son réponse à Satan. Ça veut dire libéral dit yon et qui bien aimé ou ka frappé main ou l'or béni ou ka frappé main hein. Gloire à Dieu. C'est comme s'il dit yon et qui créé parce que yon dou c'est et qui créé plus rapide avec souffle bon Dieu. Bon Dieu fait le fait que qu'on n'a pas qu'à prendre responsabilité ça pour adorer bon Dieu. Et puis bon Dieu dit m'bral ba on réponse à vous, m'bral faire frère petit homme comme la boue, m'bral retirer l'infimier. On va le déposer de l'autre côté et puis pour l'adorer, bon Dieu, pour montrer que ce n'est pas seul ou qui a une responsabilité, mais chouk moi-même tout. On est capable de l'adorer. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Moi, je pense que l'Assemblée a satisfait de réponse. Je vais passer à une question que je vais coller déjà. La paix, bon Dieu, avec nous. Est-ce que c'est tout le monde qui a adoré et qui le ou a connu? Bon Dieu recevoir adoration. Et je pense que bon Dieu crée tout le monde pour yo adorer bon Dieu. Donc c'est volonté bon Dieu pour tout le monde adorer. Donc c'est désobéissance qui fait monde pas mettre en position pour adorer bon Dieu. Normalement volonté bon Dieu pour tout le monde, c'est pour adorer bon Dieu, c'est pour adorer. Il crée tout le monde pour adorer. Mais en pile fois, moun qu'on choisit sortir dans des positions pour pas adorer Dieu par rapport à désobéissance. Maintenant volonté bon Dieu, c'est pour tout le monde adorer bon Dieu. Mais est-ce que tout le monde en position pour adorer bon Dieu? Non. Parce que normalement n'importe monde cap vivre, parce que notre expliquer ça,
Dieu gagne des monde qui rejeté il pas prendre 130 il pas par rapport avec position que vous mettez gagne des positions que vous mettez ou connaît ou même pour compte qu'on pas dans position sans personne pas besoin de même si personne pas ou du tout ou connaît ou même ou pas adorer bon Dieu et ou même chaque toi adorer bon Dieu senti conscience à accuser donc qui dit non ou pas adorer mais finalement c'est donc volonté bon Dieu c'est pour adorer. Alléluia. Ça c'est une question qui s'adresse à frère petit homme. Il dit que dans le jour que tu as présenté conférence ou un, où tu as parlé de adoration individuelle. Si mon cap dirigé bon Dieu pas recevoir adoration individuelle par là. Moi-même qui gagne une adoration individuelle dans l'assemblée, est-ce que ça pas paralyser adoration par là? Non. C'est ça qui fait l'individuel. C'est ça qui fait l'individuel. Donc, mon nom qui a dirigé, la ville ne doit pas correspondre. Mais le fait que les balances quantiques là, maintenant, pas oublier que le fait que les balances quantiques là, mais ou même qui en bas, la voie droite, donc, première bagarre que vous avez fait, la prêtre en nom, les trier sa poulie, qui était sa poulie. L'autre question, na continuer avec question ça qui dit est-ce que un chrétien t'a dû dire un monde pareil lui je t'adore puisque nous devons adorer bon Dieu seulement. Bon, logiquement que ici quand mon a dit je t'adore et est-ce que là, il n'y a pas plusieurs sens que nous sommes capables de dire? Et souvent, le monde du je t'adore, c'est lorsque un jeune gens a cotisé, une demoiselle ou quelqu'un, un garçon qui a cotisé une fille. Et le plus souvent, quand un jeune garçon, il fait excès de langage pour le capable, qui est moyen pour le capable de séduire. Et séduit moun la déclaré. Et dans excès de langage ça et parfois qu'on allait au-delà qui pas fait bon Dieu plaisir à tel point souvent gen des bagages moun qu'on a dit ça c'est pour réalité mais il fait un excès de langage pour capable convaincre moun. Mais dans ce cas et aller pour dire et je t'adore que pour moi-même, est-ce que dans le sens, et dans le sens qu'elle dit là, ça ne parle pas dans le sens qu'elle dit là. C'est dans le sens pour être capable de cotiser pour moi-même. Je ne pas ouais, dans le sens que là, il y a un sens et il y a un problème à bon Dieu dans le sens ça. Pour moi-même, ça c'est point de bam. Je ne sais pas qu'on ait un point de vue pas, parce qu'il y a des bagages qui sont présentés comme des points de vue personnels. Alors, normalement, avec l'intelligence des hommes, il y a des, en réalité, on a cherché des paroles, même pour la prière. Il y a des bagages qui ont envie de dire bon Dieu, c'est le langage pour dire bon Dieu. C'est le langage. C'est ça qui fait qu'il y a des dimensions rivaux pour prier en langue. Pour qu'il y ait des choses, c'est le langage pour exprimer ce que tu as voulu dire bon Dieu. Gagner de jeunes filles ou bien de jeunes garçons. Bon, pas seulement jeunes filles, mais jeunes garçons. Bon, grand monde fille avec grand monde garçon. Tout. Oui, tout. Donc, égal, j'ai passé un ce dia. Donc, pour montrer appréciation, d'utiliser des langages. Mais dans l'esprit, il connaît ça. Mon n'a posé des questions, il connaît le différent avec. Amen. Alléluia. Bon, ça, ma just li une suggestion avant que me poser. Question suivante là. Mon a écrit, il dit c'est pas question. Affaires adoration ça tellement important. Il a adressé une suggestion à l'église assemblée de Dieu. Il dit que adoration tellement important et vaste, c'est pas seulement conférence là pour nous faire. Moi t'aime nous faire une école pour former les chrétiens et enseigner plus bagaille sur question adoration hein, parce que pour yon mon adorer bon Dieu, il supposé connait bon Dieu d'abord. C'était juste une suggestion, nous ne pas prêter sous lui. N'a prend note, Église Assemblée de Dieu et les serviteurs de l'île, n'a prend note. C'est ça?
Quelle différence qui gagne entre niveau danger qui existait là au monde dans présence bon Dieu dans temps longtemps à Kounia. Par exemple, dans temps longtemps dans l'Ancien Testament, là où on a offert un sacrifice pour bon Dieu, c'était sacrificateur. Donc il était très dangereux parce que si toutefois bon Dieu t'a estimé qu'il pas pur assez, les catholiques étaient côté là offrir offrande là. Mais maintenant, dans temps passé ça avec Kounia, qui différence qui gagne et dans fin question on a dit puisque bon Dieu pas changé. OK. Et il y a une bagaille que nous besoin connaît que gagne la loi et la grâce. La loi te permet et l'or li dans Lévitique chapitre 9. Bon Dieu te bail condition pour au monde offrir sacrifice. Alors que te gagne Nadab et Abihu parce que condition bon Dieu te demandé pour offrir sacrifice ça ou mettre sacrifice ça c'est lui pour mettre du feu. Et wa pour ça c'est lui même qui doit mettre du feu sur sacrifice là. La mettre du feu lorsqu'on respecte tous les normes. Lorsqu'on respecte tout principe bon Dieu met la guerre du feu. Alors que Nadab et Abihu viennent apporter sacrifice. Là où viennent apporter sacrifice dans Lévitique 9 10 yo même yo pas allé selon toutes les normes établies bon Dieu pas mettre du feu. Puisque bon Dieu pas mettre du feu yo même yo mettre du feu, c'est yo mettre. Et ben yo pas de droit pour te mettre la Bible dit bon Dieu tuer. Bon Dieu tuer parce que c'est pas yo qui doit mettre du feu. Alors que de nos jours que nous dans la grâce, nous songe que nous te prêché bagaille ça, nous te prêché message ça. La patience prolongée de la grâce. Des débats nous fait, bon Dieu, pas frapper nous physiquement à l'œil nu pour tout le monde. Bon Dieu, qu'on frappe le monde. Bon Dieu, frappe le monde. Ou capable le même genre, tant que j'en ai fait Nadab et Abihu frapper, n'en fait tout le monde, il y aurait le fiel. Mais que de bagaille offrir bon Dieu dit pas bagaille bon Dieu vient prendre patience avec vous par rapport à Jésus-Christ. Mais là où persister ou capable bon Dieu d'une façon ou bien l'autre, il finit avec vous. On pas contre ça qui me dit là. Amen. Ce qui signifie dans la loi punition te paraît plus visible et dans la grâce même le bon Dieu a frappé ou même il prend patience avant de faire ça bien pour le faire avant là. Mais l'essentiel, c'est par rapport avec Jésus-Christ qui baille bon Dieu tant de patience. Alléluia. Alors, ma ajoute un petit bail tout petit par rapport. Alors, pour me rejoindre pasteur. Alors, je passe te dire, lorsque c'est pas parce que bon Dieu pas frappé. Bon Dieu frappe. Mais le plus souvent, attendez bien. J'ai pas se dire le plus souvent les bon Dieu frappé ou parce que il y a différence entre un homme spirituel qui a l'esprit de Dieu qui là qui vivant et un homme même l'esprit spirituel il mourit mais il toujours montre le spirituel parce que dans l'Ancien Testament c'était une chose physique. J'ai pas se t'a dit sacrifice était physique, tout le monde était physique, on t'a présenté et moral était physique tout lorsque mon avis mourir sacrificateur dans péché. Mais qu'on a pas oublié que sacrifice nous vient offrir yo à la fois physique et spirituel. Parce que l'or vient présenter l'argent, c'est une chose physique. Mais l'or prend cantique là, c'est spirituel. Et bien, c'est de même. L'or vient présenter un mauvais sacrifice devant Dieu. Bon Dieu, premier bagaille, bon Dieu, fort, il frappe, mais il frappe spirituellement. Ou prend le monde qui a bon conscience là, qui qu'on adore tout bon vrai, joue le fond bagaille qui n'est pas bon devant Dieu, bon Dieu. Il vient ensemble, il présente son sacrifice, il retourne la calice, la dimension prière pas même. Ah, l'église va comprendre ça, me dit là. Amen. Il prend la dimension consécration pas même. Donc, bon Dieu frappé. Il n'est pas frappé physiquement, mais en réalité, spirituellement, c'est ça que fait l'homme qui est homme de Dieu, tout bon vrai, mes bien-aimés, qui est homme de Dieu, tout bon vrai, l'elfe, bon Dieu, en bagaille, même là, tout le monde est vivant, il a pris l'homme de Dieu, maintenant, lui connaît, bon bagaille, bon dérangement spirituel. Alléluia, comprendre. Bon dérangement spirituel. Donc, c'est pas parce que pas de danger, non, toujours il y a même danger, là. Mais sauf que dans l'Ancien Testament, danger était physique, dans le Nouveau Testament, danger est spirituel.
Ma barre de quelques secondes. C'est une bagage chaque chrétien besoin veiller. Nous, chaque là, besoin veiller. Nous besoin veiller. Dimensionnons-y avec bon Dieu. Là, nous, nous pas dans dimension, son problème qui est. Mais nous comprenons ça. Volume, nous, qu'on habite la prière. Là, nous, nous perdons du volume là, son problème qui est. Et même si tout le monde est habité à dire, tout le monde, nous, dans toute activité, tout bagage, mais ou même personnel, ou doit qu'on leur monte, ou doit qu'on leur descende. Et si ou n'avez pas qu'à faire différence ça, ou pas qu'à faire différence ça, là vous en danger. Alléluia. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, qui j'en bon Dieu considéré yon moun pendant yon adoration qui juste chita kap gade? Est-ce que ce n'est pas un manque de respect pour bon Dieu? Ça passe plutôt pas, là, parce que okay. C'est malgré bonne question. Je vais reprendre une question. Hein? Qui j'en bon Dieu considéré yon moun pendant yon adoration qui juste chita kap gade? Est-ce que ce n'est pas un manque de respect pour bon Dieu? Bon, alors, Jean bon Dieu considère mon ça et pas Jean les hommes considérés. Donc, parce que en pile fois, il y a des gens, parce que, dans mon comprendre, donc, penser bon Dieu, pas penser les hommes. Il y a des gens, par exemple, qui adorent, dès que j'ai le calé, l'abgado, l'ignorant, il n'y a pas connaître sa adoration. Il y a des gens où elle chita, elle vit dans l'église là, ça fait bon, bon Dieu pas garder les gens, où elle campe, elle a gardé, tout n'a pas adoré, elle a une douleur atroce ou pas pour attention si son douleur liée. Et pour elle bien chère, bien bagaille, quand elle a une douleur tête chargée. Il y a des gens qui ont une situation tellement dure, mais par rapport à niveau de connaissance, c'est sous bon Dieu, pourquoi arriver dans le niveau, tu as compris, non? Donc en réalité, côté lié là, c'est de rendre l'eau par rapport l'angel, mais côté lié à nos situations difficiles. Il y a des gens qui viennent là, ils font sacrifice, ils présent là, ils travaillent toute la nuit. Ils viennent là, pas même qu'à lever ou pas pour ta attention. Mais il y a des gens tout, donc c'est qu'on s'aligne dans l'église, dit justement son chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est comme si son monde a cinq sens de marcher. Donc c'est cinq sens de cap d'une ça pour le faire, à ça le pape fait. Mais bon Dieu considère chrétien charnel là, les chrétiens, mais charnel. C'est chrétien ça, pour moi, dit qui justement les cinq folles là. Et c'est lui-même qui dit qui c'est Bléa avec Livréa. Donc c'est des mouns qui justement là, pendant qu'on a adoré, c'est qui est-ce qu'on a gardé? Qui est-ce qu'on a gardé? Est-ce que comment le pain? Comment il a gardé sous lui? Ou même qu'on a adoré, il n'a pas ça lui-même. Donc, c'est comme si, mais en réalité, comment me considérer? Donc, je pense que j'ai un bon Dieu, je ne connais pas j'ai un bon Dieu considéré. Mais en réalité, je dis chaque monde qui est dans une situation comme ça. Si par exemple, vous venez vous fatiguer en pile, vous venez pour adorer bon Dieu, pas perdre du temps. Quand vous soupirez, vous passez quelques minutes pour adorer, pour courir de dormir, parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Alléluia. Et, qui t'aime bien au petit bagage? Écoutez bien. Au cas comprendre, les chrétiens qui sont l'église dimanche matin. Ils sont l'église dimanche matin. Ils passent toute semaine dans net. Ils ne savent pas si bon Dieu existait. À faire la Bible, ils ne savent pas. À faire un cantique même, ils ne savent pas ça du tout. Ils ne savent pas régler rien. Vous pensez que l'autre dimanche matin, l'Elvini qui s'est pour le bail. Il va être passionné au cours de cette semaine. Grâce Seigneur. Il va être passionné de bon Dieu. Non! Et c'est ça que pour un joueur dans le domaine football, pour un joueur by rendement, ou te mettre Messi, ou te mettre Cristiano, ou te mettre Neymar, il faut qu'on entraîne chaque jour. Il faut qu'on entraîne chaque jour. Si vous pas entraîné, entraînement qui s'est c'est la caille ou c'est notre travail là pour balancer quantité. Alléluia. L'arrivée là, depuis l'autre, ce n'est pas là où finit tout pareil. Alléluia. Une autre question qui s'adresse à frère petit homme. Où te dit un vrai adorateur, t'as dû faire adoration et un mode de vie. Alors, on a rappelé que ce n'est pas la première intervention, frère petit homme. Il était gagné un jour que le traité sujet que nous avons bali, qui c'est que signifie adorer un être suprême et comment le faire. Donc, il était gagné un jour que il était fait une intervention. Il était présenté conférence par là, c'était jeudi. Donc, c'est par rapport à la conférence hein, que la question s'est ressortie.
Ou te dit, yon vrai adorateur t'a doué, fait adoration yon mode de vie. Est-ce que ça possible si parfois, moi entendez quelques petits chants sentimental? Est-ce que ça possible? Ma première question. Ou te dit, yon vrai adorateur t'a doué, fait adoration yon mode de vie. Est-ce que ça possible si parfois, moi entonné quelques petits chants sentimental? Donc, question m'a posé mon ça, petit chant sentimental ça, deuxièmement, c'est qui est-ce qui grille? Et finalement, est-ce que bon Dieu prend plaisir là-dedans? Est-ce que bon Dieu prend plaisir là-dedans? Parce que écoutez ceci, peut-être dans la question ça m'a répondu, je connais des gens qui ont dit que baroque, mais il faut me répondre selon la Bible. L'Église, ça de bien. Tout bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir, m'a pas prendre plaisir là-dedans comme adorateur. Depuis bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans, moi faut que ça m'a pas entonné au cours de ce maintenant, faut me connaître que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Et si bon Dieu prend plaisir là-dedans, pas aucun problème pour me balancer. Mais depuis bon Dieu pas prend plaisir là-dedans, m'pas qu'à prendre plaisir là-dedans parce que me sont adorateur, me sont porteur de gloire. Et pas oublier que bon dit ça. Entre parenthèses. Ou connaît une bagaille qui le plus souvent ça n'a pas tendé, ça n'a pas répété, il diminue la gloire de Dieu dans nous. Ah, m'a reprend ça m'a dit encore. Ça va attendre, ça va garder et ça va dire le plus souvent, les diminuer la gloire de Dieu dans vie nous. Ça veut dire qui ça? Les rendre cœur bon Dieu le plus souvent épanoui de nous, aller loin nous. Dans ça n'a attendre, ça n'a ouais et ça n'a garder. Alléluia. Si mon n'est pas satisfait, c'est un péché. Question ça. Alors, pour moi, faut une continuité dans ça, mais ça arrive. Pas oublier que n'a parlé d'un vrai adorateur. Mm-hmm. Donc c'est pas monde qui justement vient pantant son bagage parce que moi t'ai dit adorer ou passionné. Ou passionné. Par conséquent, il y a un bagage, un gros problème pour me dormir, pour me faire des musiques d'adoration, pas jamais dormir. Parce que je suis tellement passionné, depuis que je fais ça, je me couche. C'est justement pour la télévision, pour regarder l'adoration, je tout fais nuit dans le chita. Parce que je suis trop passionné. Je vais justement regarder un bagage et ensuite, je vais justement me lever ou dire que je prends 100 films de garder, je vais me pas dormir. Parce que automatiquement, quand il a passé, pendant que je fais ça, je vais me réveiller pour continuer à adorer. Parce que je suis passionné de lui. L'homme passionné d'un bagage, ou tellement passionné de lui, pas grand-chose qui peut remplacer. Même. Donc, par conséquent, c'est celle-là qui fait partie de l'homme qui veut arriver. Il y a des dimensions de passion qui veut, pas grand-chose qui remplacer. Et puis, l'autre bagage qui est capable, dans tout bagage, il y a une relation qu'on gagne au monde. Relation avec bon Dieu, il n'y a pas relation avec bon Dieu. En ce sens. Il y a un bagage ou fait, il pas dérangeant, moi-même si je fais le déranger. Amen. Sauf que ce sont des dimensions. Pourquoi comprendre? Gen moun ni wè chansonnet a li pa rien. Là autant de qui ça le fait? Li éveiller sens ou? Li éveiller sentiment. OK. L'éveiller sentiment pour raison bien pour l'autre qui résultat le bail. OK. Est-ce que vous pensez une jeune fille ou un jeune garçon à nous aller là? OK. Ou bien une madame ou pas de mari avec ou pas que madame avait, et puis bon, ou prend tande bagay sa la. Le ou prend tande le kounya, chalor vin monte ki sa wapre. Mes bien-aimés, gen de bagay se nou pou ki evite le. Tande bien, mes bien-aimés. Tande, se l'homme nou ye. Nou se l'homme. L'évangile mande en pile pou y danse. Et si nous pas pour dans des bagages n'a fait qui mal, c'est pas nous qui t'ai choisi pour nous faire l'eau, mais par manque de prudence et puis nous tomber là-dedans. Et là nous tomber là-dedans, il mettait nous en retard pour en pile temps. Et c'est ça que aussi longtemps que mes bien-aimés, nous qu'à prendre précaution avec vie spirituelle non, c'est lui qui toujours plus bon. Très bien. Donc n'a géré l'air, on va continuer. Donc alléluia. N'a juste posé une dernière question et moi présenter excuse-moi parce que m'a calé toute question. Et il y a deux questions moi ouais qui semblait moi juste poser une et puis me penser l'autre monde a toujours une réponse.
qui ça, ça veut dire adorer en esprit et en vérité? Bon, je pense que ça, c'est un... C'est toute dernière question. C'est toute dernière question. Je pense que ça, dans l'esprit. Ça, c'est réellement un grand débat. Adorer en esprit et en vérité, c'est un grand débat. Je pense que pour moi-même, parce que pendant moi, ouais, je tape le texte là, justement rentrer dans petit béa, parce que là, c'est un grand débat. Adorer en esprit et en vérité, il m'a donc un grand débat. Et sous hier, passer sous lui, bachita sous lui. Parce que adorer en esprit et en vérité, il m'a dit pour me faire trois jours pour enseigner ça, en esprit et en vérité. Donc, en réalité, je ne pense pas moi-même là, m'a justement, parce que ça me connaît son débat, je passe sous lui, je prends petit béa, je quitte adorer en esprit et en vérité, parce que ça va susciter un peu de questions. Je vais me réserver ça. Donc, je vais me réserver ça. Amen. Bon, par contre, pas non, mais écoutez bien. Ou prend responsabilité plus que temps, les fin rivé. C'est ou qui berger l'église. Ça, c'est un bagage qui est réellement important. Moi, je pense que c'est pour promettre que soit, je ne sais pas comment on va faire pour capable bien chita. Parce que question, ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, je pense que ça. Alors, normalement, je dis avec la majorité de gens qui viennent dans l'enseignement de l'église là. Donc, je pense que. Alors. Sous l'enseignement de l'église, je prends trois jours, je promets que je prends trois jours pour justement et traiter ce sujet ça. Adorer en esprit et en vérité. Et d'abord, c'est un contexte. Jésus te dit là, qu'on t'a allé dans le contexte. Là. Donc, qui ça que t'es pour celle dit, femme là, que pour adorer en esprit et en vérité? Pour moi, même petit caltan qui était en bas, là nous-mêmes, ça, ouais. Adorer en esprit. Adorer en esprit. Donc, c'est réellement un bel débat. C'est un bel débat. Amen. Parce que réserver question ça. Donc, venez dans l'enseignement. Les mardis, je promets nous que ma justement, chaque mardi, je promets nous que ma vie sous lui, même pas qu'après le non-sel enseignement. D'accord? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on veut frapper mes mains à ce soir pour conférencer? Frapper mes mains plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia! Nous bénissons bon Dieu et nous sommes vraiment contents par le fait que nous sommes là. Nous ne voulons que personne n'aille sans que tout le bagage n'est pas fini. Donc c'est ça qui fait nous couper les questions et je pense que nous avons compris ça. Donc pour le moment, nous avons passé à quelques autres phases parce que nous avons adoré et nous avons des conférenciers, nous faisons offrande. Donc maintenant, nous avons passé à une autre phase. Donc nous avons demandé à conférencier. Ou bien, bon dit groupe de louange là rejoindre moi et puis m'a demandé à quelques membres d'accueil viennent pour un conférencier et puis mettez eux dans place que nous te prenons tandis que membre groupe de louange là a pas avancé viennent joindre moi.